crois aussi que on est là aussi pour faire un peu rêver les gens, et c'est vrai que les success stories, ça peut donner envie à des jeunes. Coucou mes chéris, bonjour Maya, bonjour Denis, bonsoir Philippe, bonsoir à tous, allô, c'est Barbie Chétif à l'appareil. On se retrouve dans les conditions du direct et de la découverte pour cette 1854e revue de merde avec un jeu qui n'est-il pas merdique du tout puisqu'il s'agit de Super Football Champ. Un jeu donc visiblement fait par Taito et Mindscape. Et donc ça va être du bon, j'ai pas la notice, j'ai que le jeu en boîte. Ça donnait du rêve quoi. C'est que des gens qu'on connaît pas sur la jaquette, et donc ça fait plaisir de mettre en avant des guivarches et autres. Alors là, c'est que marrant parce que même la cinématique elle est brouillonne et pixelisée à fond, donc ça fait plaisir. Je pense que ça va être un bon jeu. Start comme les jeux Super NES. Et le temps que tu lises ce qui est écrit à l'écran, le temps de chargement est déjà passé. Oh putain, c'est beau. Et les jeux qui te proposent Easy. Oui. Oui. Waouh, stéréo. Donc les jeux qui te proposent. On va mettre le radar quand même, on n'est pas con. Qui te propose le PK, c'est-à-dire les penalties, ça fait toujours plaisir. Donc on va essayer de suite. On va prendre l'Allemagne et on va se mettre contre... Bah tiens, on peut se mettre contre soi-même. Et du coup, ils ont le maillot d'une autre couleur. Putain, il y a même la... Yes! Putain, on peut même... On a les personnages, les têtes qu'ils ont... Putain! Oh putain, ça c'est beau. Ça c'est un beau personnage, ça. Nickel. Moi, je prends lui. X. Je le sens bien, là. Je sais pas pourquoi. Allez, dépêche-toi! Qui cuffe, hein. Allez, PK, mais c'est que des tirs au but là! Pourquoi ils me font chier et tout à choisir tous les personnages? Alors, ça va être de la 3D ou ça va être de la 2? Oh putain, ouais, on se met directement en penalty. Là, j'y tirerai tout en haut à gauche. Oh oh! Ça c'est bon, on peut rater ses coups. Alors comment je fais moi? Hop, on laisse la place aux copains. Alors putain, ça c'est bon. Putain, on peut. Putain, on a le temps de voir la balle. Et là du coup, ça va être agréable à faire des... à faire des pénètes si t'en veux. Je touche ma webcam. Attends. Là j'ai tourné... Putain, mais j'ai tiré à gauche hein. Attends, parce qu'il faut qu'on voit où... Mais putain, ça fait deux fois que je fais en bas et que je touche pas le... J'arrive pas, je vais pas loin. Quoi ce jeu de merde, là? Ouah! Oh yeah! Là, j'ai laissé en fait le bouton en bas à gauche. Et c'est la puissance qui va déterminer... ben, la puissance du tir. Par contre, là, je vois pas... Là j'ai fait en haut à gauche et il plonge. Alors est-ce que c'est le bouton qui fait qu'il plonge tout le temps? Je vais essayer d'appuyer sur le bouton A. Attends. Ah oui. Allez, putain, c'est quoi? Pourtant j'ai pas appuyé à fond. Oh putain. Il y a même des temps de chargement pour juste ça. Mais c'est dans le moteur graphique et le moteur graphique me plaît. Donc maintenant on va faire un vrai match. Alors, on va se faire une exhibition. Alors, pour faire plaisir à... Attends, elle y est ou pas? Morococo. Elle est où la Pologne? Elle n'y est pas. Bon, on va prendre Brasil.
Brésil contre Suédois. Circle, the best in Asia, trained. Ça, c'est qui, Ace? C'est-à-dire la star? C'est-à-dire qu'on peut choisir n'importe quelle star? Oh, Phil Leopold. As a super strong kick. C'est-à-dire c'est notre chef. On peut choisir en plus un chef. Best skill in dribbling. On va prendre un bon dribbling. C'est en plus le capitaine, c'est ça, le Ace. Donc c'est des capitaines qui sont agents libres. Il y a Edge. Formation select. 4-3-3. Eux, ils font 4-4-2. 4-3-3. Et en plus, en attaque. Allez, hop. Kick-off. Oh putain, je sens bien ce jeu. Du jeu de football, tant entendu par tous les passionnés de jeux vidéo. Brésil. Sweden. Il y a le commentaire. Start alors. Non, il n'y a pas de caméra différente. On me met le radar vers où je dois aller. Ouh, turbo. Mais tire. J'ai rien fait! Alors, c'est quoi le offside trap? Ah oui, on peut choisir avec L1. Avec L1, on peut choisir notre stratégie. Avec. Aïe! Là, je fais la passe à l'autre. Aïe! C'est un peu, la caméra est trop prête. Oh, je connais pas les boutons. Ace, le Ace, Ace. Lâche-moi, tu me salis. Lâche-moi, vite. Lâche-moi. Je sais même pas quel est le bouton de tir, c'est le bouton rond ou quoi? Je l'ai poussé à peine. Putain, il a mal au genou, je lui ai donné une tape amicale dans le dos. Ah putain, mais je suis dessus, putain, le rad. On peut même pas enlever le radar, il n'y a pas d'option caméra, c'est débile. Mais c'était dessus. Aïe. Mais je fais la. Oh. Ah, le jeu il est pas désagréable graphiquement. On a des gros graphismes, des gros sprites. Arrête de cliquer. Ouais, j'aurais dû peut-être enlever le... Lâche-moi! Est-ce qu'il faut juste se mettre en face pour que le mec prend la balle? Des fois, j'ai l'impression que mon personnage, il fait un tacle. Voilà, alors que là, j'ai appuyé sur rien. Cours, 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 cours. Mais putain, mais. Allez, rentre chez toi, putain. Oh yeah! Putain, il fait les triple sauts, triple loops. Mais lâche-moi! Aïe! Non. Non, je veux connaître les touches.
That'll be a throw in. Brazil. Brazil. Take the throw. Mais là, on voit pas qui fait la passe. Lâche-moi. Lâche-moi. Oh putain, mais il glisse, il rattrape pas la balle. C'est mal fait, ça. La zone d'agro, elle y est pas... Tout. Mais non. Mais c'est pas un tir, ça. C'est quel bouton, le tir? Mais non. Putain, j'en ai ras le cul. C'est quel bouton? Long ball, vite, vas-y Lace, mais tire! Con, ce mec, je tire en bas, pourquoi il est allé en haut le truc? C'est ni carré, ni triangle, ni rond, ni X, c'est quoi le tir? Lâche-moi! Prends le ballon, pauvre con, là, il tourne autour! Ah putain, la caméra elle fait que tourner. Ah, lâche-moi, pousse. Aïe, lui il me tire dans le dos. Et pousse-toi, sale pute, Bruno, putain. Putain, il a affalé comme un gigot, là. C'est quoi, putain? Voilà, but contre mon camp, ça, c'est voulu. Putain, j'en ai marre, hein. Je comprends pas quel est le bouton de tir. Hein. Il n'y a même pas de bouton pause, revoyons la scène au ralenti, il n'y a pas d'option, ça c'est chiant. Pourquoi ils mettent pas d'option? C'est la base dans un jeu. Et puis ce radar, on peut pas le changer. Presse. Putain, j'ai rien fait. On peut pas prendre un fruit, c'est football en 3D, en temps réel. Oh putain, sélectionner un champion de hauteur, on s'en fout. Facile à utiliser, recréer votre propre Coupe du Monde. Et d'atmosphère, je m'en fous moi. Putain, j'arrive même pas à avoir des options. On est en offensive là, il n'y a pas un qui est capable de tirer. J'ai essayé tous les boutons pour le tir. Aïe, oh, lui il me fait un tac par derrière et il n'y a pas de truc. Voilà, on construit. Voilà, attends, je n'ai aucune visibilité. On fait en zigzag. Aïe, oh, ça va, oui. Tiens, il m'a fait pareil. Il me pousse, je le repousse et c'est moi qui ai le truc. Q, oui. Allez! Lâche-moi! Il avait pas le ballon! Bon, on va tout mettre en attaque. 3-5-2, je comprends pas ce qu'il faut faire. La meilleure attaque, c'est quoi? Ah là là là. Mais 4-3-3, celle que j'avais fait! Ah, là, là, là. En même temps, si j'ai Edge dans mon équipe, c'est sûr que je vais pas aller loin, quoi. On veut le virer, lui. Voilà. Allez, hop. Dépêche-toi. Chiant, si j'avais le tir, je comprends pas. J'ai essayé tous les boutons, il n'y a aucun bouton qui fait le tir. Il y a des passes à plat, des trucs... Je lui remets le slip en place. Putain, mais c'est pas possible.
Il nous fait un bouton A, on peut pas le bouton rond, on ne peut pas l'utiliser, sinon il y a un carton. Alors ça sert à quoi de nous le mettre dans le jeu? Voilà, j'ai pareil. Mais qu'est-ce que tu... Lâche-moi! Ah oui, le triangle, c'est la passe. Et on peut faire la 1-2. Lâche! Maintenant, il me manque plus que le bouton de tir. Tain, si j'avais un bouton de tir, là, le jeu serait marrant. Mais cours, hein! Mais non, mais arrête de me faire le 1-2! Allez, cours! Mais cours! Mais non! Putain, j'ai fait une tête, mais j'ai pas. Alors, il reste le bouton carré. Je vais essayer de faire le bouton carré. Si c'est ça, je pense que ça va être pas mal. Le bouton... Il me reste que le bouton carré, hein, parce que sinon. Allez, on fait la passe avec triangle. Aïe! Mais pousse-toi! Putain, mais lui, il fait un tac. Il... Oh! Aïe! J'aime bien le 1-2. Mais tire, putain, mais même le carré il marche pas. Putain, c'est quel bouton pour tirer de ton truc de merde? C'est vraiment épuisant, quoi. Kiff. J'arrête. Pousse-toi! Offside. Je ne comprends pas. Il n'y a aucun des boutons qui fait le tir. Hein. Faut appuyer sur deux boutons en même temps. Si on ne me dit pas lequel, putain. Là, ça y est, je fais les passes auto-guidées avec triangle. Aïe, putain, penalty, ouf. Ouais. La seule manière de marquer un but. Voilà, et là il y a la transition. J'ai appuyé sur B en bas. Et là j'aime bien parce que le penalty, on voit que c'est pas la même vidéo, la même vue que dans le vrai truc. Donc ils ont vraiment fait un vrai jeu, quoi. C'est dommage de pas avoir le tir, sinon le jeu il me plaît bien. Il a un côté arcade jusqu'à la meule. Allez, eux, ils font que marquer. Putain, j'en ai ras le cul, là. Alors, moi, je veux un penalty. Je veux... Attendez. Je veux le pousser quand il est dans la zone. Voilà, je voulais le pousser quand il est dans la zone. Sinon, il n'y a pas d'action. Et j'ai appuyé sur bas. Sur bas X, mais visiblement. Voilà, allez. Aïe! Allez! C'est quel bouton pour tirer? Déjà, le gardien, j'ai appuyé sur carré, ça marchait pas. J'ai appuyé sur rond, là, pour savoir s'il saute. Là, c'était rond. Voilà.
Allez, j'appuie que sur rond là. Que sur rond. Allez, putain, mais c'est vraiment dommage de pas avoir. Pour avoir le bouton de tir. Hein. C'est vraiment. Je n'ai appuyé sur aucun bouton là. Là, j'ai juste poussé avec la flèche, mais je n'ai appuyé sur aucun bouton de commande. Ouais. Putain, mais le mec, il hurle pour dire c'est une red card. Il le vit le match. J'aime les petites animations qui sont en plus. Ils sont trapus, quoi. Là, je vois pas comment on fait pour sauter. J'appuie sur bas et rond et il me fait aller en haut. Il y a vraiment un problème avec ma manette, je pense. Parce que c'est pas possible de pas avoir un truc qui peut pas tirer, là. C'est quel bouton? On est ras le cul, là. Ça marche sur tous les jeux et sur celui-là, non. Il n'y aurait pas de bouton de tir. Allez, ciao Pépito. Non, j'en ai marre. Je vais aller dans les options et voir quelle était, si c'est possible d'avoir un bouton option. Voilà, je le pousse. Il faut les pousser pour voir s'il y a. Oui, on s'en fout. On veut essayer d'être. Alors, plus personne sur le terrain. S'il n'y a que des cartons rouges. Attendez, vite, vite, on appuie sur rond, sur rond. Vite sur rond. Allez, but. Il n'y a pas de bouton de tir de merde. Allez, putain, un carton rouge, je veux. Imbaisable, là, fait chier. Je vais aller dans les options et je vais voir quels étaient les boutons pour les manettes et après on va se quitter là. C'est con parce que le jeu il était pas mal quoi. Contrôle. Ah ben putain, le tir c'était quoi? Le shoot avec carré. Eh ben pourtant c'est ce que j'ai fait, hein, mais bon, c'est pas grave. Le combinaison c'était les passes. Shoot et clearing kick. Alors quelle est la différence? Il fallait appuyer sur quoi? Parce que là, ça fait ou l'un ou l'autre. Mais t'appuies sur quel bouton? Donc en gros, RL, il nous disait même pas que L1, ça servait à changer la stratégie de l'équipe. Ma foi, c'est vraiment mal foutu les potes, je suis déçu. Le radar, il fallait mettre sur off. Bon, allez, ciao Pépito pour une prochaine vidéo. Et à plus mes puces.